Alors, ce qui est valable en Haute-Marne, est valable partout, il faut restaurer les services publics, mais à travers les services publics qui sont indispensables. Mais à travers les services publics qui sont indispensables en milieu rural, bien entendu, et la Haute-Marne est bien placée pour le savoir, il faut aussi restaurer l'État. L'État, c'est le service public, au sens large, au sens précis, mais également son autorité. Il n'y a pas de service public, par exemple l'éducation nationale, par exemple la police. Tous les services publics ont besoin d'autorité. Et on ne rétablira pas l'ordre. Je ne parle pas de l'ordre républicain de manière générale, je parle de l'ordre, précisément de la valeur ordre, sans rétablir l'autorité de l'État, et peut-être d'ailleurs restaurer l'esprit de défense, non seulement pour la défense nationale, qui a été injustement sacrifié depuis des années, mais il faut aussi restaurer la défense, l'idée même que nous avons à nous défendre. Tout ce qui vit doit se défendre. Et pour ça, il faut restaurer, je dis, l'État, restaurer l'idée d'ordre, restaurer l'idée d'autorité, et restaurer finalement l'ensemble du maillage du territoire qui s'appelle le service public. J'ajouterai d'ailleurs qu'il faut aussi restaurer son impartialité, notamment à la radio et à la télévision, mais c'est une autre histoire.